SADC change de ton. Les accusations formulées dans le communiqué du 14 octobre dernier, après le retour clandestin de Marc Ravalmanan, semblent avoir été oubliées. Des échanges se sont déjà déroulés sur ce sujet au niveau des gouvernements malgaches et sud-africains. Le projet de loi sur la décentralisation est encore pendant au niveau du Conseil des ministres alors qu'il devrait être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption cette semaine. Adjo Ndjenenarvelu, président national du parti VPM Malagas Miramieng, dénonce une absence criante de volonté politique du pouvoir. La France a 2 semaines pour livrer le premier navire de guerre à la Russie, faute de quoi elle s'expose à de sérieuses demandes de compensation. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Aucune lumière encore sur la procédure judiciaire de Marc Ravalmanan, dont fera l'objet. Elle commence cette semaine. Le ministre de la Justice, Ramana Tenassou Nouéline, soutient qu'il n'y a aucun problème. Le ministre des Affaires étrangères explique aujourd'hui que son arrestation est justifiée par son entrée clandestine au pays. Le président de la République, pour sa part, a décidé de ne pas se prononcer. Il n'a pas non plus réagi sur sa prétendue rencontre avec Marc Ravalmanan. Ses personnalités ont assisté ce jour à la prestation de serment du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Alain Rasslouf Ndjaibé. Le projet de loi sur la décentralisation est encore pendant au niveau du Conseil des ministres, alors qu'il devait être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption cette semaine. Selon les jeunes de Loyal Tipeee, Madagascar a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à une décentralisation crédible et véritable. Adjo Ndjenenarvelu, le président national du parti VPM Malagas Miramieng, dénonce une absence criante de volonté politique du pouvoir. Et Régine Arabari. Selon la loi de finances initiale 2015, le budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées est réduit à la portion congrue. Un tout petit budget qui ne correspond pas aux ambitions affichées par le pouvoir. Le budget de 8% dément le gouvernement qui proclame mettre en avant les collectivités territoriales décentralisées. Pour les jeunes YLTPiens, il est nécessaire de cadrer les actions dans le sens des intentions. La porte ouverte organisée aujourd'hui a permis de débattre sur le fond des problèmes de la décentralisation. Nous pensons, l'AFES, les OTPIens aussi pensent que la décentralisation ne peut pas se réaliser si les acteurs qui agissent dans le système de la décentralisation tiennent toujours aux anciennes cultures qui n'ont pas fait bouger les choses d'une manière positive. Pour le parti VPM Malagas Miramieng, une véritable décentralisation dépend d'un État engagé qui y met tous les moyens. Jusqu'ici, le parti de Adjo Ndjenenarvelu n'est pas convaincu d'une réelle volonté de l'exécutif. Ce n'est que les actes qui peuvent nous dire si on a vraiment cette volonté d'aller vers la décentralisation effective. Malheureusement, on constate que la part réservée aux collectivités territoriales décentralisées sont en diminution dans cette loi de finances. Donc ça nous amène à se poser des questions sur la réelle volonté politique d'aller vers cette décentralisation effective. La semaine dernière, le projet de loi sur le statut particulier des villes d'Antananarivo, de Nousbé et de Sainte-Marie est passé devant le Conseil des ministres. Quand pour le projet de loi sur la décentralisation qu'il complète, ce projet de loi devait être soumis pour adoption à Timbaza cette semaine. Mais les débats sont virulents lors du Conseil des ministres. Les élections en 2 phases, maire d'arrondissement puis de la commune, ne fait pas l'unanimité. La proposition est également désapprouvée par le parti VPM Malagas Miramieng. Et SADC change de ton. Les accusations formulées dans le communiqué du 14 octobre dernier, après le retour clandestin de Marc Ravalmanan, semblent avoir été oubliées.
Des échanges se sont déjà déroulés sur ce sujet au niveau des gouvernements malgaches et sud-africains. La délégation de la SADC l'a confié ce jour. L'organisation africaine a donné une conférence de presse à Antananarivo ce matin pour rendre compte de sa visite de 3 jours au pays. Reportage. L'application intégrale de la feuille de route est le seul garant du retour à la paix et à la sécurité à Madagascar, rapporte ce jour David Malobo, ministre sud-africain de la sécurité d'État, à la tête de la délégation de la SADC. Tout semble avoir oublié les accusations portées sur Marc Ravalomanana après son retour à Madagascar le 13 octobre dernier. Nous sommes ravis de vous dire que lorsque nous avons rencontré son Excellence le président Eri et l'ancien président Ravalomanana, tous deux ont manifesté l'engagement d'aller vers la réconciliation, de travailler ensemble. Et oui, Ravalomanana est déjà dans le pays. Cela fait partie de la provision de l'article 20 de la feuille de route, ce qui signifie que tous nous devons nous mettre ensemble pour aller vers ce processus de réconciliation. La SADC et l'Afrique du Sud sera-t-il en train de cautionner l'initiative de l'ancien président? En tout cas, ils remettent sur le tapis la feuille de route qui exige le retour sans condition de tous les exilés politiques. Menace à peine voilée, la délégation fait comprendre que Madagascar n'a pas encore retrouvé sa place dans le concert de la SADC, faute de ne pas avoir scrupuleusement respecté la feuille de route. Durant les 3 jours passés à Madagascar, la délégation a rencontré le président de la République, celui de l'Assemblée nationale, du FFM, de la HCC, du FFKM, ainsi que les dirigeants des mouvances politiques. La mission a fait essentiellement un lobbying pour la mise en œuvre de la feuille de route dans son intégralité. L'État malgache semble entend augmenter jusqu'à 30% le volume de nos exportations pour stabiliser le cours de l'ariary, mais jusqu'ici, aucune décision n'a encore été prise concernant la suspension d'UMID, le marché interbancaire de devises, escompté être l'issue pour redresser la monnaie nationale. Et c'est un reportage de Lélie Rabiat. Le cours de l'ariary n'a cessé de se déprécier depuis 5 ans. Aujourd'hui, l'ariary a franchi la barre des 3400 face à l'euro. Pour les économistes, il faut supprimer le MID, marché interbancaire de devises, pour redresser la situation monétaire. Mais pour le moment, cela n'a pas encore été décidé, explique le gouverneur de la Banque centrale qui a prêté serment aujourd'hui. Selon le numéro 1 de la BCM, la politique commerciale sera axée sur l'augmentation du volume des exportations. Une hausse de 30% pourra stabiliser le cours d'échange. Le ministre du Commerce, après sa prise de service, a d'ailleurs déjà annoncé que les produits de rente comme la vanille, le girofle, le café, le litchi feront l'objet d'une nouvelle politique. Un troisième coup d'arrêt est prévu, déclare ce jour la gendarmerie nationale. Il sera caractérisé par une collaboration étroite entre les éléments des forces de l'ordre et les dalles repenties, explique le colonel Anthony Racoutoirson. La principale mission, éradiquer le vol de zébus et rétablir la sécurité dans le sud du pays. Et juste à titre de rappel, 4000 dalles sont réputées s'être repenties après le deuxième coup d'arrêt effectué il y a quelques mois. Après un cas avéré de peste hier à Ancas, le bureau municipal d'hygiène a procédé ce jour à la désinfection des alentours de la maison de la victime. Hier, les agents de santé ont déjà distribué des médicaments aux membres de la famille et à tous ceux qui ont côtoyé la défunte. Le ministère de la Santé publique jusqu'ici ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet sensible. Aucune action de profondeur n'est encore prévue. Gaëtan Geslav. C'est ici, à Ancasne, que le premier cas de peste a été déclaré pour Antananarivo. La population est encore pleine d'appréhension. La dépouille de la victime a resté dans le quartier pendant 3 jours. Aujourd'hui, les agents du bureau municipal d'hygiène ont procédé à la désinfection des environs. Pour leur part, les riverains se sont résolus à nettoyer le Fouquetan pour prévenir tout risque. Le ministère de la Santé publique n'a encore effectué aucune déclaration.
Il s'agit pourtant du premier cas de peste avérée dans la capitale. Jusqu'à maintenant, seuls les cas déclarés dans les districts de Tirouna Madid, Bétaf, Mboudjatchim et Nkasbeh sont rapportés par le site officiel du ministère de la Santé, mis à jour le 8 octobre dernier. Ce site rapporte 14 décès sur 25 cas détectés. Et voilà, place aux actualités internationales. La France a jusqu'à fin novembre pour livrer un premier navire de guerre Mistral à la Russie si elle ne veut pas s'exposer à de sérieuses demandes de compensation. Les Mistral, des bâtiments de projection et de commandement vendus par la France à la Russie en juin 2011 pour 1,2 milliard d'euros, sont au centre d'un imbroglio diplomatico-militaire depuis la décision du président François Hollande de lier leur livraison au règlement politique de la crise ukrainienne. C'est un reportage de France 24. Faut-il livrer les navires de guerre Mistral à la Russie? La question divise en France. Au Parti socialiste, on soutient François Hollande qui a décidé en septembre de suspendre la livraison vu l'attitude russe en Ukraine. Monsieur Poutine, non seulement va fixer des ultimatums vis-à-vis de Kiev et de l'Ukraine, mais à la France, c'est pas comme cela que ça marche, monsieur Poutine. Oui. La France est un pays indépendant qui décide ce qu'elle fait de la livraison ou pas des Mistral. Dans l'opposition, certains estiment qu'il faut tenir ses engagements. Et pour cause, le contrat Mistral a été négocié et signé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La France a pris des engagements, elle a signé des contrats. Bon, il est normal qu'elle livre. Si elle ne tient pas, si elle ne respecte pas sa parole sur ce marché, que vont en penser tous les autres? Que vaudra la parole de la France? C'est un véritable casse-tête pour François Hollande. Tous les alliés de la France, ou presque, ont demandé à l'Élysée de faire une croix sur cette vente. Pas question pour eux de livrer ce bijou de la technologie militaire française à un pays qui annexe de force des territoires. Pour l'instant, Paris joue la montre. Monsieur le député, aucune date de livraison ne peut être fixée à ce stade. En effet, le président de la République l'a rappelé, une décision définitive interviendra le moment venu et il appréciera dans toute sa responsabilité la décision qu'il doit prendre. Une chose est sûre, en cas d'annulation des livraisons, les chantiers navals de Saint-Nazaire devront payer une fortune à Moscou. La somme déjà versée par les Russes, 800 millions d'euros, plus les pénalités, environ 250 millions d'euros. C'est le 14 novembre 1994, il y a 20 ans, jour pour jour, qu'Eurostar a effectué son premier voyage commercial. Faire rouler un train à grande vitesse sous la Manche était alors une prouesse visionnaire, faramineux. Le projet de tunnel puis de ligne à grande vitesse a aussi été un gouffre financier. Eurostar s'est peu à peu imposé face à l'avion pour atteindre 80% de parts de marché sur le trajet Paris-Londres aujourd'hui. L'objectif, 14 millions de passagers en 2020. C'est toujours un reportage de France 24. Une étape clé dans l'histoire ferroviaire. En gare de Saint-Pancras, l'Eurostar fête ses 20 ans avec une popularité record. Marc Sicamois prend le train 4 fois par an en moyenne. Oui, traverser la mer en train, c'est génial. À l'époque, c'était bien sûr révolutionnaire. Et il y a plus de potentiel qu'en avion. Ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et je crois à l'avenir et au progrès d'Eurostar, oui. L'Eurostar progresse avec les avancées technologiques de Siemens. Les nouvelles rames entrent en service en fin d'année prochaine, avec près de 200 places en plus. Adapté à un réseau plus étendu, l'Eurostar gagnera Amsterdam en 2016. Les nouveaux trains Siemens voyageront à 500 km à l'heure, plus vite que l'Eurostar d'hier, avec jusqu'à 900 passagers par train. C'est un net progrès. Pour cet analyste de Bloomberg, ces nouvelles rames permettent à l'Eurostar de franchir un palier en termes de capacité et de croissance. La société a subi de lourdes pertes pendant des années, mais Eurostar fait désormais des profits, pas des profits géants, mais Eurostar opère sur une base saine, avec un projet économique qui semble solide. Il fait peau neuve, il étend son réseau. L'Eurostar entre avec les meilleurs atouts dans sa troisième décennie. Et je vous rappelle ici, en terminant, les grands points développés dans ce journal.
Aucune lumière encore sur la procédure judiciaire de Marc Ravalman dont il fera l'objet. Elle commence cette semaine. Le projet de loi sur la décentralisation est encore au niveau du Conseil des ministres. Adjoint Jenen Harvey, le président national du parti VPM à Lagasse, Mia Ramieng, dénonce une absence criante de volonté politique du pouvoir. Et enfin, après un cas viré de peste hier à Ancassen, le bureau municipal d'hygiène a procédé ce jour à la désinfection des alentours de la maison de la victime. Aucune action de profondeur n'est encore prévue. Et vous suivrez juste après ce journal l'émission Mikulouef avec Nkazara Koutmanatsou, suivie dans les eaux de 22h15, A Most Wanted et Stay Alive. Et sachez, chers téléspectateurs, que le premier casting de Carols commencera donc demain. Restez sur Cool TV pour ne rien rater de l'événement. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve donc demain à partir de 20h45. Excellente suite de programme. Au revoir.